Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Car Mechanic Simulator 2021, bien entendu. Et aujourd'hui il va y avoir beaucoup de nouveaux dans cet épisode. Tout simplement parce que je suis passé niveau 4, j'ai 13 000 de thunes, donc j'ai quand même décidé d'avancer hors vidéo. Parce que bon, au début c'est répétitif, mais là on va débloquer pas mal de choses sympathiques. Donc au niveau des atouts et des bonus en gros, donc actuellement j'ai 10% de vitesse de montage et 10% de vitesse du vissage. Mais alors là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que donc j'ai 13 000, donc niveau voiture j'en ai une là et j'en ai trois dehors. Donc on a du boulot. Faut se le dire, on a du boulot. Mais dans la boîte à outils, donc là ici, il y a pas mal de choses. Donc ça c'est la partie extension de garage, ça c'est la partie outils. Donc dans extension de car du garage, donc bon, il y a quatre choses qu'on peut pas encore faire parce qu'il y a des améliorations avant à faire. Alors, ajout d'un deuxième arbre de relevage dans votre garage, donc un deuxième pont. Élargissez le fond du garage permet d'agrandir votre espace de travail. Voilà, ça coûte 10 000, ça coûte très cher pour l'instant, je n'ai pas nécessairement besoin. Construire un lave-auto près de votre garage permet de nettoyer votre voiture. Donc je pense que c'est seulement la voiture personnelle, pas des clients. Donc pour l'instant, ça on s'en fout. Parcours d'essai, construire un parcours d'essai près de votre garage. Élargissez vos compétences en réglant le paralysis verrou. Et en une amélioration sûrement, je sais pas. Donc ça c'est intéressant parce que du coup on se. Bah, on élargit clairement notre capacité de réparer les voitures, donc on élargit les compétences comme est dit ici, donc c'est pas mal, mais ça coûte 10 000. Récupération, ajoute un compartiment avec des outils de démontage près de votre garage, permet de récupérer et d'améliorer des... Encore amélioration, donc je sais pas pourquoi. Donc ça, bon, c'est pas mal, mais je sais pas après pourquoi ils mettent pas la suite. Ensuite, on a quoi? Donc là, construire un atelier de peinture près de votre garage, élargissez vos compétences en effectuant des travaux de peinture, encore une fois, donc là ce sera plus dans la peinture carrosserie. Et ça, en gros, c'est un bon de puissance pour, bah voilà, passer, mais c'est 20 000 aussi. Alors là, la tablette, bon ça on connaît, ça c'est pour éviter d'aller à l'ordi tous les 5 minutes, pour 500 ça coûte pas cher. Là, c'est un testeur de compression. Pour les pneumatiques, non même pas. Testeur de compression, l'état de certaines pièces, d'accord, ouais. Ok, donc c'est pour plus l'intérieur du moteur. Ajouter un soudeur dans votre garage, en reprenant la carrosserie dans son intégralité. Donc ça pour le prix, bon 5 000, c'est un peu cher, mais bon c'est très intéressant. Ajouter un système de diagnostic embarqué, donc c'est comme un OBD. Les véhicules équipés d'un port, d'accord. Donc ça c'est une nouvelle génération de moteurs. Une jauge de profondeur à vos outils supplémentaires permet de vérifier l'état des pneus, d'accord. Ajouter un chargeur de batterie à votre garage permet de charger les batteries de voiture. Donc pour l'instant on n'a pas eu. Peut-être qu'il faut débloquer ça pour justement recharger les batteries, je sais pas. Enfin avoir des missions liées à ça. Pression d'essence à vos outils supplémentaires permet de vérifier l'état des pièces connectées au. Pas voilà. Le jeu vient de sortir, mais bon, ils auraient pu faire un effort là-dessus. Ajouter un multimètre électronique à vos outils permet de vérifier les connexions électroniques. Un tour à frein dans votre garage permet de réparer les disques de frein endommagés. Là, c'est réparer les pièces mécaniques endommagées. Permet de réparer les taux de carrosserie endommagés. Et ajouter un support pour moteur à l'appareil de lavage de votre garage. Donc on s'aperçoit que déjà tout ça, il faut agrandir pour débloquer tout ça. Déjà, ça c'est une première chose. Donc moi, pour moi, ça, on va pas prendre. On va prendre un pont. D'accord. Donc acheter. Ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas. Alors, ouais. 2500, je sais lire. Pourquoi?
Pourquoi? Je comprends pas du tout pourquoi. Je peux pas du tout acheter. Alors attendez. Bah attendez là les gars, il y a un problème. Et si ça, j'essaye de l'acheter, la tablette. Ah, faut rester appuyé. Ouh. Allez, allez, on ajoute ça. D'accord. Donc là, c'est changer l'aspect. Alors, on va regarder. Ah, putain, il est classe là. Là, il est classe. Là, c'est propre, hein. Regardez tout ça. Bon, ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite. Donc là, on va prendre ça. Tout de suite. Bon, après, là, je vais faire faillite. Faut que je fasse gaffe. Hein. Ok, là, ça rien change. Ah, là-bas. C'était donc là, la porte fermée. Ah oui. D'accord. Ah oui, là c'est gros. Donc là ici après, je sais pas ce qu'on pourra venir faire exactement. Bah, tous les autres trucs, les quatre trucs qu'on a débloqués hein, finalement. Tout ça en fait. Donc c'est sur l'agrandissement du garage. Alors là il y a ça pour 1000, mais si je le prends, après je peux le prendre. Donc là le garage il est comme ça. D'accord. Mais je l'aime bien. Donc est-ce que je le prends? Non, je le prends pas parce que j'aime bien porter un seul garage comme ça. L'aspect on changera plus tard. Donc là pour 750, on peut agrandir le garage en ajoutant un entrepôt, permet de stocker et de trier vos pièces détachées. Donc pour 750, pour l'instant c'est pareil, c'est pas nécessaire. Par contre, je peux vraiment acheter la tablette parce que c'est vraiment utile. Et puis après. Bah c'est tout. C'est tout, on a 720 donc au bout d'un moment va falloir travailler pour refaire de l'argent. Donc on va attaquer tout de suite avec elle qui a que dalle à faire d'ailleurs, hein. Changer le liquide de frein et changer le liquide pour lave-glace. Alors. C'est étonnant d'ailleurs, j'ai pris ça mais c'est pas ouf. Alors après si ça nous rapporte de l'argent. C'est déjà complet. Hop. Ça me paraît bizarre, hein. C'est très étonnant. Cerveau direction, ouais, c'est bon. Je me suis pas trompé normalement. Alors, hop, on met ça. C'est étonnant là, j'ai pas une grosse mission à faire. Bon, après voilà, ça va aller vite. Si c'est de l'argent facile, on prend. Voilà. Hop, normalement, c'est à peu près au milieu entre les deux. Voilà. Donc c'est fait. Ouais, 87. Bon, voilà, après, plus 5 XP. Bon, c'était pas ouf. Hein. Bon là j'en ai pas mal de nouvelles arrivées, mais bon comme devant j'en ai pas mal aussi. On va s'occuper de cette voiture avec un H. Ouais ça fait, j'allais dire une Supra mais l'arrière non pas du tout. Et maintenant j'ai deux ponts en plus donc comment vous dire que je peux largement accepter d'autres voitures. Hop, je vais accepter celle-ci en plus. Je vais mettre l'Audi sur le pont. Et puis bah on peut attaquer. Alors bon bah par contre j'ai pas. C'est bien d'avoir un nouveau pont. Mais ça fait juste une place en plus. Parce que du coup bah j'ai pas. Moi là en gros bah tant que je fais ça, je peux pas m'occuper de l'autre en même temps quoi. C'est ça qui est un peu dommage. En même temps, ce qui est logique. Oula! On a beaucoup beaucoup de choses à faire. Allez, on se fait ça. J'espère que j'aurai assez d'argent.
Ouais, non, j'aurais pas assez d'argent pour faire tout ça, donc on va regarder celle-ci ce qu'il y a à faire. Bon, bah ça va être vite fait. Oh oui, là, il y en a plus beaucoup. Bon, bah, je suis désolé, les petits potes, là, c'était pas très intéressant. Voilà. Je crois qu'il y avait le lave-glace aussi. Et après, c'était normalement le frein. Ouais. Non, pas ça. Hop, l'outil. Outil de vidange. Sinon, on paye 50$ et pour le prix de la vidange, bah, on perd carrément de l'argent. Allez. Le liquide de refroidissement. Zioup. On va arriver. Voilà. Ça suffit largement. Ouais, il faut se faire de l'argent parce que là sinon bah là je fais faillite et je crois pas qu'on puisse faire un emprunt. J'ai pas le souvenir de ça. Eh oui, j'ai acheté trop de trucs d'accu, mais bon après au moins voilà, on s'est fait et puis j'ai hâte quand même de découvrir les autres choses, de se perfectionner encore plus dans le garage, de faire d'autres choses. Parce qu'au bout d'un moment forcément c'est toujours la même chose. Là on a touché pareil que tout à l'heure. Aller chercher dehors cette voiture, on va voir. Étrier de frein, module ABS, ça coûte très cher tout ça. Il faudrait des freins à faire seulement. Bon, bah ça c'est pareil, je vais le faire mais ça me fait chier. Ça va être très rapide. Est-ce que ouais là c'est pas mal, alors attendez. Ça c'est une Nissan en gros, c'est comme une Skyline mais ils ont appelé ça Starline. Problème de frein, ça me plaît. Oui, elle est en sale état elle. Ensuite, ça c'est quoi? C'est une Subaru en gros aussi. Et là c'est le train roulant. Bon, je vais prendre elle au-dessus, ça va changer un peu. De toute façon, je peux encore en prendre une autre, non? Ouh, je suis full. Attendez, je vais regarder. Ouais, je peux pas. Je peux pas. Je vais faire celle-ci vite fait, comme ça je pourrai. C'était quoi celle-ci? Liquide de frein. Hop. On fait ça très vite. Hop. Échappe. Voilà. Brake fluide. Pour liquide de frein bien évidemment. Hop là. Voilà, donc 43, logique, hein. Fallait pas s'attendre à plus. Alors ouais, je vais libérer l'espace. Voilà, l'avantage c'est que je peux accepter pas mal de voitures. Alors laquelle avait un souci de frein? Ah oui d'accord, bon bah celle-ci on va la mettre aussi encore une fois. J'ai fait trois fois la même chose là. Hop, j'accepte. J'ai trois voitures qui se ressemblent beaucoup. Alors, allez. Liquide, hein, ouais, en gros tout. Allez. En gros, tout ça. Puis après, j'espère qu'on va faire les freins de l'autre, hein, parce que. On sait bien, ça change de couleur, les pièces sont un peu différentes, tout n'est pas identique quoi, même les moteurs et tout, c'est vrai que franchement là-dessus c'est vraiment pas mal quoi. 838, bon j'ai pas augmenté vite hein, logique hein. Je vois pas du tout le niveau. Largement. Ça, après servo direction et puis liquide de refroidissement et on est bon. Hop. Là, liquide de refroidissement, là pareil, je sais pas où, je pense qu'il faut être presque tout en haut, on voit pas le niveau mais là ça va passer comme ça, voilà, donc c'est que c'est bon.
Quoi qu'on en met beaucoup, mais bon, après, ça doit être différent d'une voiture à l'autre, certainement, je sais pas. Après, c'est un bon jeu de simulation, mais c'est dommage qu'ils expliquent pas certaines choses. 175, bon là, ça a rapporté quand même beaucoup plus, hein. Je pense que c'est de l'équipe de refroidissement, comme c'est un peu cher. Ah, là, c'est frein, frein, là, on voit que c'est bien les freins. Alors, celle-ci. Ouais, yes, celle-ci. Ah, je le mets direct sur le pont. Pas de souci. Ensuite, j'en accepte une autre. Et puis après, j'arrête d'en accepter. C'est bon, on va pouvoir faire les autres après, bien sûr. Hop, ça, c'est les freins. Donc, on la prend sans souci. Ouais, effectivement. Allez. On commence à avoir des belles caisses, hein. Bon, un peu rouillées, mais bon. Là, on a des beaux gamos. Gamos, hein, ouais. Alors, hop, on la monte encore parce que là, on agit sur les freins, évidemment. Donc, je pense après l'aspect. Donc, en gros, tout ça, ce sera un peu plus neuf, le pont un peu moins rouillé. Là, enfin, la peinture sera refaite, même si là, je le trouve vraiment carré le garage. Hein. Il est vraiment stylé, hein. Il est propre, enfin propre. Enfin, ça va, hein, pour un garage. Je pense qu'il y a pire que ça. C'est assez rangé. Ouais, ça va, franchement. Allez, état de la voiture, on va sélectionner tout ça. Retirer l'avant. Le petit étrier. Je sais pas si je vais avoir tout le matos, mais je pense en vrai. Voilà, on peut direct remonter. Plaquette, j'en ai encore pas mal en vrai, hein, c'est pas mal. Étrier, par contre, on remet. Bah, je pense que c'est OTW ouais, 60, là c'est sûr même. La jante. On visse un peu mieux hein, déjà. C'est pas encore le petit top, mais c'est pas mal. Allez, derrière, il y a beaucoup plus de choses, je pense, non? Le disque, peut-être. Un petit coup de WD-40. De travers pour que ça vise plus vite. Alors là, c'est l'étrier et le disque. Alors, est-ce que je vais en avoir? Pas vraiment. Plaquette, c'est bon. A priori. Et l'étrier tout neuf. Est-ce que je peux remettre celui-là ou pas? Je vais aller en acheter un des cylindres. J'en ai. J'ai la tablette. C'est où? C'est là. Je peux en acheter pas mal aussi. Enfin, là, c'était pas le moment que j'achète beaucoup en vrai, mais bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va mettre du neuf avec du neuf. Parce que si je mets le cylindre à 50%, ça va pas trop aller. Enfin, ça pourrait, je pense, mais bon, allez, fais les choses bien. Voilà, allez. L'autre roue, et après plus que devant, et puis c'est bon, hein, pour cette voiture. On a cet étrier. Les plaquettes, je pense pas. Tout cas, disque, c'est sûr. Plaquettes, j'ai pas l'impression que c'est en surbrillance, donc c'est bon. Étrier. Ok, allez, c'est parfait. 453. Et ouais, mais les freins, ça rapporte vraiment de l'argent. C'est clair que ça fait vraiment plaisir. Alors, qui avait problème de frein?
Je vais faire celle-ci. Parce que c'est pas excessivement cher tout ça. Donc, allez, on l'amène tout de suite. De toute façon, il n'y a pas de temps. Je pense que on les fait tous quand on veut. Donc c'est bon quoi. Allez. On va se mettre ça en favori, toujours. Putain, c'est longue vis. J'ai longue à dévisser. Alors, le calétendeur, 16 machins. Ensuite, ça sera la pompe à eau. Et c'est tout. Il est où l'autre truc? Bon, alors attendez. Pompe à eau. Pompe à eau. Je sais déjà plus laquelle que c'est. Ah oui, c'est poulie pompe à eau. 16 DOHC. Alors, BUDD, c'est ça, hein? J'ai peur de me tromper. Ouais, c'est ça. On n'en achète qu'une seule. Ensuite, il faut la poulie pompe à eau. Ça va quand même plus vite que d'aller à chaque fois à l'ordinateur. Et ici, on a le galet tendeur. 16 DOHC. Ok, nickel. Alors, on continue le démontage. En plus, c'est une opération qui est relativement rapide. Alors, par contre, là, il y aurait tout ça d'abord à retirer. L'impression que la pièce est prise dans le moteur, donc je sais pas ce qu'il faut que je retire là. Ouais, c'est faut que je retire tout ça, hein, c'est sûr. Enfin non, que ça à mon avis. Ça, la poulie R4. Le carter, et je pense que là ça va être bon, j'espère. Je crois bien. Encore ça. Ah oui, oui, c'est d'accord. Putain, le bruit de style. Ah non, j'ai encore pas mal de choses. Hein. Carter de distribution. Le couvercle, putain. Wow. Pas mal de vis. Allez, petite technique. Comme ça, on enchaîne les vis. Pas mal cette petite technique, hein. Ça fait gagner du temps. Alors. Et là. Ah oui, ça y est, c'est libéré. Ok, nice. Alors. Oh mince. Bon, c'est vrai que pompe à eau, ça implique la vidange de liquide de refroidissement. Mais je n'ai pas fait attention à ça. Dommage. Allez, on remonte tout. Vous voyez, les vis, c'est vraiment important d'avoir d'améliorer en fait ça, parce que c'est là où on passe vraiment beaucoup de temps à visser. Et c'est important de gagner du temps pour enchaîner les voitures. Hop. Bon, après, c'est quand même plus rapide qu'avant, mais bon. Puis après, je pense que ça sera l'économie des. La réduction sur les pièces. Je pense que je prendrai comme amélioration. Je crois que c'est les 5% de remise à long terme. Ça fait du bien. C'est sûr, même. Allez, le galet tendeur tout neuf. Je remets du liquide. Et puis normalement j'ai tout fait. Hein. Hop, c'est bon.
État de la voiture, elle est bonne. 307. 307. Allez, on s'en fait une dernière. Après, je vais clôturer la vidéo. Donc, pas celle-ci, c'est sûr. On va aller dehors. Qu'est-ce qu'elle a, elle, déjà? Allez, ça va être très rapide. Je vais juste regarder l'autre aussi là, celle-ci, parce que depuis tout à l'heure je la laisse devant, mais. Ok, ouais. C'est des trucs qui. Des pièces qui coûtent cher, mais ça va me rapporter pas mal d'argent. Elle est belle celle-ci. Ouais, c'est une skyline quoi. Ni plus ni moins. Alors, on y va. En plus, il n'y a pas grand-chose à faire. Level 4, hein, bientôt level 5. On va pouvoir améliorer un truc au niveau 5. Je sais pas quoi encore, je verrai. Je pense que visser encore, hein, parce que j'aurai 2 points. Il faut 2 points pour passer au niveau 2, ainsi de suite. C'était pas ça qu'il fallait que je retire. Je comprends pas. Ah, ça y est, putain. Est-ce que j'ai la pièce? Je suis pas sûr si j'en ai en stock. Impeccable. Impeccable, impeccable. 67, je pense. Là, je vends les autres pour pas me gourer. Si je remonte du pas la même chose, des fois ça peut être pas terrible, après c'est pas grave tant que c'est pas abusé à mort. On a décliqué. Il y a les plaquettes à faire hein, quand même, non? Je pense hein. Que là, ils sont en sale état. Bien. Ouais, c'est sûr qu'ils étaient à faire. 25%, c'est mort. Les trier, c'est sûr. Hop. Ouais, c'était bien les plaquettes ici. Allez. Les jantes sont belles, enfin, ça va. Ils sont simples, mais. C'est un peu plus beau que d'habitude qu'on voit sur le jeu. Hop, la jante. Allez, 400. 400 dollars. Ça fait plaisir. Et niveau 5, on va prendre tout de suite une amélioration. Qui est ici. Ah, j'en ai 3. J'en ai gagné 2 points là. C'est bien. Le vissage de 20%. Ouais, c'est décidé. Hop, sachant que pour initialiser là, ça coûte 4000 maintenant de 2000, c'est pas ça 4000 quand même. Et puis on peut se prendre 5% sur les pièces. Que là après ça sera coût 3, ok, allez. On peut aller jusqu'à combien? 15% sur la remise des pièces. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Et puis, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode sur ce jeu qui est vraiment pas mal. Bon, bah, mis à part ça qui est pas très bien expliqué, qui s'arrête. Misa, voilà. O et les. On sait pas la suite, c'est dommage. Mais on va pas se plaindre, voilà. Bon, les finances remontent un peu, niveau 5. Le garage a bien changé, on a découvert une nouvelle pièce, pardon. Donc bah ça fait plaisir hein, les amis, écoutez hein, on peut pas sortir par ces portes-là. Derrière on peut. Donc voilà les amis, en tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. 299 à l'heure où je vous parle. À un près on est à 300. Donc voilà, le 300e, faut qu'il arrive, hein. Il va arriver, j'en doute pas. Et puis voilà, allez, portez-vous bien, ciao, bye bye, à bientôt.